Daniel. Daniel, tu dors-tu? Daniel! Oh, fuck. Daniel! Ah, je te vois, Dan, tes yeux ouverts. Hey, j'ai une question à te poser, ça te dérange-tu? Le silence du sage, je respecte ça, mon Dan. Viens te rejoindre, OK? Ouais, c'est ça. Je me demande une question. Toi, là, ça t'arrive-tu d'avoir peur de dormir, comme? Mais pas peur de dormir dans le sens de t'as peur de pas te réveiller, mais dans le sens de, genre, tu fais tellement de cauchemars que t'as peur d'aller te coucher, genre? Ça, ça m'arrive souvent, là. En fait, ça m'arrive vraiment souvent. Puis c'est ça, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, cette affaire-là. Puis quand tu penses à ça, là, on sait jamais non plus quand est-ce que les affaires commencent. Ça, c'est weird, pareil. Tu sais, quand ça commence, sur le coup, tu sais pas que ça commence. Tu sais que c'est arrivé, mais tu sais pas que ça va continuer à avoir lieu, genre. Dan, tu niaises, là, tu vas pas t'en aller. Là. Tu vas pas me laisser tout seul ici, là. Je veux dire, t'es en train de mettre le soupe, mais tu me niaises, là. Tu me fais un sketch, là. Je te connais, Dan, t'es pas du genre à juste m'abandonner même ici tout seul avec les bébites pis genre l'humidité pis pas partir en chicane parce que je t'ai parlé de mes cauchemars quand même. Laisse-moi pas tout seul ici. Qu'est-ce que je vais faire, moi, quand tu vas être parti? Je vais pas être capable de dormir, je saurais pas quoi faire, j'aurais pas quoi me faire à manger. Pourquoi tu sors? De toute façon, y'a personne. Cesse de parler, je t'en supplie. Je voudrais rester seul. On sait que la nuit est un autre audit. Quand le jour se ferme la gueule, je mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. Fais du vacarme pour te faire peur. Ah, même si le calme et la noirceur veulent se coller sur moi comme un même si